Hello, la Dozo Family, c'est Pidgey, j'espère que vous allez bien. Moi, ça gaze et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je suis sur l'île, partie voir ma famille. Mon fiel, il est à l'école et il me semble que c'est un de ses derniers jours d'école. J'ai trop envie de lui faire la surprise où je vais lui acheter une petite moto. Voilà, il a bien travaillé à l'école, il a bien bossé tout simplement. Du coup, je veux trop lui faire cette petite surprise-là. Je vais aller lui acheter une moto. Donc, je vais aller avec mon beau-frère, donc son papa, du coup. Je le vois pas souvent. Il est sur l'île, c'est le fils de ma soeur. J'ai envie de faire ça en vidéo, j'ai envie de vous amener avec moi. Venez, c'est parti. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. C'est parti, générique. Regardez-moi ce petit dinosaure, comment il est heureux là. Il est aux anges. C'est à la maison. Regardez-moi ça là. Oh, on dit au revoir à toute la mif parce que les gars, il y a tout le monde dans le Airbnb. Il y a même petit bug là. On est avec le Jum et puis c'est parti. On va voir pour acheter la moto. Je suis trop pressée en vrai. Mais est-ce qu'il mérite au moins? Là, je suis avec Gounish, son papa. Franchement, il mérite, ouais. Ouais. Parce que l'appréciation, c'était. Il faut souvent remotiver Naël. Oh là là. Et recopie sur ses. Ses camarades. Non, 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 non. Non, toi, franchement, tu... y a... Bah, let's go, j'ai envie de dire. On s'en va en Belgique chercher la moto et on a genre 1h20 de route. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire plaisir à son fiole, hein? Mais c'est pour qu'il travaille encore mieux et davantage l'année prochaine. Bien, ma reine t'incite à bien travailler davantage, d'accord? Les petits loustiques, on est arrivé à El Baraka Shop, les gars. Tu crois que le gars il va me voir arriver avec ma cam, il va se dire, elle fait quoi, elle? Je vais te dire, je fais un reportage, monsieur. Bonjour. Oh, j'aime bien cette odeur. Ça, c'est vrai, ça sent l'œuf. Mmh. Moi, je m'y connais absolument pas, les gars. Regardez-moi ça, cette petite moto, là. Elle est incroyable. Je vois trop mon fiel faire des drifts avec ça. On peut pas prendre celle en exposition? En fait, c'est pour faire un cadeau et on aimerait bien qu'elle soit direct montée, quoi. S'il vous plaît. Pour un enfant de 5 ans, ça, c'est ok. Mais ouais, on va lui prendre un casque aussi, il y a un casque. Ouais, vous vendez des casques? Je suis trop contente. Ça fait très Ferrari, la rouge. J'y connais absolument rien, moi, les gars. C'est pour mon fiel, c'est un cadeau. Il va être content, hein. S'il n'est pas content, on va me le ramener ici, le tirer les oreilles. Mais beau, ici, il y a des bobolides. Hein. Ouais. C'est quoi, ça? La trottinette, tu peux t'asseoir carrément, quoi. Incroyable. Et c'est fou ce qu'ils ont à faire, ouais. Maintenant. C'est un truc de ouf, hein. Ouais. Quel beau bolide! Elle est trop belle! Et ça supporte combien de kilos? 50 kilos. Ah oh ouais, ça va, ouais, non? La mort, j'ai pas encore mangé à la cantine. Ouais, ça supporte une pidi, les gars, sur cette petite moto. Pour la sécurité, les gars, forcément, on va lui prendre des petits gants. Les verts, ils sont stylés, hein? Ouais, même. Forcément, les mêmes couleurs que sa moto. La sécurité avant tout. Exactement. J'ai pris les gants aussi, monsieur. C'est un cadeau, c'est ça? Ah, et très commerçant, monsieur. El Baraka Shop à Menin, les gars. Les gars, lâchez les pouces bleus. C'est bon, t'as ce qu'il faut. C'est bon, les loulous. Voilà. J'ai commandé le petit cadeau pour mon fiole. Nickel. Je suis trop contente, genre, franchement, moi, je suis trop la meuf à faire des cadeaux et genre à kiffer les offrir. On lui a acheté un petit casque, couleur verte. Oui. Regardez-moi comment elle est stylée de ouf. Il y aura du flan, mon fiole. Ah ouais, ça va faire des roues direct. Ah ouais. Eh bien, écoutez, on va aller chercher à l'école juste maintenant. Et sa maman, donc ma soeur, elle a acheté également un trampoline que je lui offre aussi. Et quand il va rentrer chez lui, il va voir le trampoline, il va kiffer. Je crois que ça va être la meilleure journée de sa vie. Wesh, les gars. Ça va ou quoi? Et votre nouveau chien a grandi. Vous avez un petit mot à dire à la caméra? On va être sur une vidéo là. Bah ouais. Cool. Et prochaine, ouais. Vacances, c'est où? J'espère que... Vas-y, je dirais. C'est carré, ça. Du coup, tu peux travailler en logistique. Exactement. Allez, c'est parti, les loulous. Direction l'école de mon fiel pour lui faire la petite surprise. Il va pas être prêt. Oula, je vois que ça prenait l'apéro là, les loulous. Alors, le trampoline là. Putain, mais hé, il est immense. Il n'y avait plus que ça. Nickel. Bah, nous, on doit aller le chercher à l'école, hein, les loulous. Nous voilà sur la route pour aller chercher mon fiel à l'école. En fait, ce qu'on va faire, c'est je vais lui offrir les gants et le casque. Et je vais lui dire, tiens, mon fiel, c'est un cadeau de ma reine. Et en fait, il ne saura pas que ma reine... Il ne saura pas qu'il y aura une bécane. Ma reine, elle a acheté une moto aussi. Moi, je suis pas prête, les gars. J'ai vu mon fiel dans la cour. Je vais aller le chercher. Ça va, mon fiel? Ma reine, elle a un cadeau pour toi. Elle doit y aller très. Est-ce que t'as bien travaillé à l'école? Ma reine, elle t'a fait un cadeau, mon loulou. C'est avec elle. T'es content? C'est parce que t'as bien travaillé à l'école, mon loulou. Voilà. C'est quoi ce petit cœur? T'as une amoureuse ou quoi? Yeah. Si, t'as une amoureuse. Yeah. Ah, il y a une amoureuse. Yeah. Oh.
J'essaye les freins à bordel. Je crois il a pas fait gaffe parce qu'il arrête pas de dire c'est une vraie mais c'est à moi et tout. Il sait pas que genre c'est pour lui en fait. Il a pas capté. Le Chewie réalise pas que c'est sa bécane en fait. Ouais en fait il sait pas. En gros il y en a déjà une essence. Voilà viens. Wouhou. Ouais voilà entraînement. Mais en vrai il s'en sort bien. Moi ouais, il a un peu peur. Allez mon fiole, il arrive vers sa marraine, regardez-moi ça. Wouhou. Merci marraine, les pouces bleus. Merci marraine. Ça y est, je crois que ça y est, il a mis la double vitesse, il est en train enfin de réaliser que c'est la sienne. Alors, t'es content? Oui, les pouces bleus. Et papa. Gros petit jouet de grand garçon pour mon fiel. Voilà, ça me fait plaisir. C'était la fin de son année. Et puis, c'est vrai que je le vois pas souvent. Du coup, ça me fait trop plaisir de pouvoir lui offrir ça. Là, il va rentrer à sa maison et il sait pas encore qu'il y a un autre petit cadeau. Je crois qu'il réalise pas. En fait, il a sa journée dans les dents. Il est fatigué. Mais il est en train de kiffer, c'est le principal. Il sait même pas tourner. Je pense que c'est demain qu'il va réaliser avec son papa en mode j'ai tout le temps la moto. Waouh! Tu t'en sors bien! Arnaud, t'es content? Ouais! Y'a quoi dans ton jardin là? Bah. Le trampoline. Tu peux l'essayer? C'est vrai? Ouais! Bah ouais! Mais attends, mais je rêve ou tu sais déjà faire là? Alors? Bah, moi j'ai un trampoline! Et une moto électrique! C'est pour que tu travailles bien à l'école, mon loulou! Parce que si jamais tu travailles pas très bien à l'école, ma reine elle reprend tout. Tu fais le croix de bois, croix de fer que tu vas travailler encore mieux. Oui, ma reine j'ai travaillé encore mieux. Ouais. Vous réalisez enfin que t'as un trampoline, monsieur? Oui. C'est bon ça, hein? Oui. Regarde ma reine. Attends, viens, loulou. Attends, ma mère. Le tien est très grand. Énorme. Oui. N'hésitez pas à mettre les pouces. Voilà. Si t'es content du trampoline? Bah oui! Une note sur 10, tu mets combien? 20 sur 20! Non mais je vois que c'était pas qu'un cadeau pour mon fiole. Il y a toute la famille dans le trampoline! Merci ma reine! Les abonnés! Ouais, c'est ça! Au revoir les abonnés! Et bon, en tout cas, ça s'amuse pour le trampoline. Ça s'amuse sur le trampo là. Nous on est là en gym. Ils sont contents, c'est le principal. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. J'ai fait plaisir et ça fait plaisir. N'hésitez pas à bien prendre soin de vous et à profiter de votre famille, c'est très important. Je vous fais plein de grands bisous. Pourquoi tu fais le sérieux là, gym, pendant que je fais mon outro? Je sais pas si tu pourrais être plus, plus jovial. De rien, mon loulou. T'es content? Regardez comment il est heureux. Ah oui, oh là. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao. À dimanche.